un secteur qui est extrêmement intéressant pour un jeune travail. Dans sa 20 années qui est venu là, le secteur de l'aviation peut grandir pour plus de 120%. Et qui veut dire qu'il peut grandir pour plus de 120%, ce qui veut dire qu'il nous faut besoin à peu près 900 000 nouveaux pilotes, nous faut besoin 800 000 nouveaux hôtesses et stewards, nous faut besoin 700 000 nouveaux ingénieurs. Aviation, c'est un secteur qui donne une opportunité globale, c'est-à-dire que les élèves sont gagnés une opportunité dans le monde entier. Maintenant, dans Maurice, nous avons un secteur aviation qui est très très robuste, un secteur qui est très très reconnu dans l'Afrique avec dans l'océan Indien. Et à Mauritius, nous même sommes en opération, nous observons les normes d'opération les plus strictes, reconnues par la DCA de Maurice, mais aussi reconnu par plusieurs régulateurs internationaux. Nous avons un standard d'opération et de maintenance qui est reconnu par EASA, European Aviation Safety Agency, qui fait que dans Maurice, nous qualifier pour être en même avion par une compagnie qui sortit d'Europe. Tout ça là pour vous dire qu'il y a un standard d'opération et de maintenance qui est très très élevé dans Maurice et c'est un secteur qui est capable de présenter un très grand intérêt pour nos jeunes optiques. Industry, I think we are in a significant growth path over the last couple of years, and that's expected to continue. And we're already seeing in some specific areas a shortage of people going into the industry. So we need people to see the importance of aviation on a global level. We need to see students especially, to talk to them early about how great our industry is, how fast it's growing, and how many people we need to help us move the industry forward together. So we're looking for talent. Beaucoup de ces workshops-là, c'est une série de talks qui ont été organisés conjointement avec Air Mauritius et la société Embraer, qui est une société brésilienne et très active dans le domaine de l'aviation. Et c'est une industrie très importante au niveau mondial. Et c'est un secteur qui n'est pas très présent en termes d'offres, de maintenant, tout ça, mais c'est un secteur qui est intéressé à rentrer. Donc, quand Embraer et Air Mauritius donc, approcheront, pour faire cet événement donc, joint, c'est un domaine pour nous, parce que ça permet nous aussi donner à nos étudiants une possibilité de carrière. Et je sais qu'il y a beaucoup donc, de possibilités de carrière dans ce domaine-là, à tous les niveaux. Et c'est un peu ça qu'ils ont envie de montrer à nos étudiants. Mais aussi montrer, par exemple, une société comme Embraer, comment elle peut innover dans le domaine donc, de l'aviation, qui va au-delà juste de l'aircraft. Il y a plein d'autres éléments qui associent. C'est un peu un exercice de, d'une part, faire connaître cette industrie auprès de nos étudiants et nous aussi